Bonjour à tous mes amis, que je suis content de vous retrouver. Ah, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais à vrai dire, voilà, j'ai quelques explications et je vais vous les donner pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment de pourquoi il y a eu une petite pause au niveau de YouTube. C'est vrai que depuis que je fais des vidéos, je me suis donc lancé dans le projet pro du kart et à vrai dire... Voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, comme on dit, j'ai gaz à fond, et puis franchement, la mayonnaise, elle est en train de prendre bien comme il faut, et je remercie tous ceux qui me font confiance, et donc du coup, voilà, je me suis concentré sur mon projet personnel, et parce que aussi, je me suis pas fait que des amis. En fait, si vous voulez, au début, je faisais, on va dire, peur à personne. Maintenant que je commence à être un peu plus sérieux et faire du taf... on va dire correct, sans me jeter de fleurs, eh ben, je commence un peu à emmerder. Donc, du coup, je me fais pas trop d'amis. Et après, avec le recul, voilà, il y a certaines choses que j'ai fait et que je regrette pas, mais que je referai plus. Donc, voilà, ça m'a un petit peu coupé la chic, comme on dit au niveau des vidéos. Mais bon, voilà, hein, c'était juste une petite parenthèse pour expliquer un petit peu à tous ceux qui me suivent de pourquoi j'ai levé un peu le pied. Bref, du coup, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, Instagram, Facebook, je vous mets les liens en description de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, j'y suis actif assez régulièrement, hein. On voit ce que je fais la semaine à l'atelier, donc les révisions moteurs, etc. Le week-end, quand on me demande, en journée coaching, entraînement, ou les week-ends compétition, maintenant j'ai plus de services que je propose, donc on verra ça en fin de vidéo pour ceux qui seraient intéressés, donc location de moteur, révision, optimisation, enfin voilà, je vous ferai une petit descriptif pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo. Bon, alors cette vidéo, elle sera plutôt centrée sur un deux roues, pas sur du kart. On fera quand même encore quelques vidéos kart, hein, bien entendu, puisque c'est le nerf de cette chaîne, mais j'avais aussi envie de proposer un petit peu autre chose, donc il faut savoir qu'avant j'étais dans le milieu moto, et là je suis tombé sur une machine à vrai dire que je convoitais pas vraiment mais que j'ai toujours apprécié et je suis tombé dessus un petit peu par hasard, c'est mon ami Guillaume que je remercie qui me l'a montré. Il savait très bien que j'allais la prendre et quand je l'ai vu ça a été bam, ça a été le coup de foudre comme on dit, donc j'ai dit il n'y a pas moyen, il faut que je l'embarque. Et c'est un deux roues très mythique, tout le monde sait ce que c'est, donc on fera quelques vidéos là dessus donc c'est à remettre en route. Donc on fera une vidéo remise en route ensemble, etc. On testera des trucs, etc., etc. Bon, je sais par où me diriger sur ce genre de machine. Et pourquoi pas faire une petite série de vidéos sur ce deux roues. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vais arrêter de blablater et je vais vous faire la présentation. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit donc du Piaggio Vespa, le plus mythique des deux roues. Je pense même que c'est l'un des plus mythiques au monde, hein, qui ne connaît pas le Vespa. Donc là, on est sur une version 50 cm3 français, donc c'est un 50 spécial. Et il est dans son jus, il est en très bon état, hein. Il a été repeint déjà, mais bon, moyennement. On pourrait le laisser dans l'état et faire juste un petit lustrage parce qu'il n'a pas énormément de points de rouille en vérité. Niveau mécanique, donc il ne démarre pas, donc il va falloir, je pense, se pencher un peu là-dessus, même si j'ai déjà fait un petit check. Coup classique, comme sur les 103 de l'époque, hein, l'allumage à rupteur, pardon, est un peu fatigué, quoi. Donc le reste a l'air pas mal. Donc voilà, il est plutôt sympa, donc avec l'embrayage, les vitesses comme ça, ouais je sais ça fait bizarre mais on fera une petite vidéo là-dessus. Et puis voilà, hein, et il totalise 28 033 km. Bon,
Après, je ne suis pas sûr que le moteur soit d'origine. Bon, on verra par la suite si ça vous intéresse de faire cette petite série de vidéos, hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Et puis voilà, moi en tout cas, je suis comme un gosse devant cette machine. 100% italienne là pour le coup. Et puis, c'est de la ferraille, hein. C'est pas du plastique comme sur les boosters d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment, vraiment, il est dans un état impeccable. Alors, ce qui m'a vraiment décidé dans le choix, c'est que quand j'ai ouvert le réservoir d'essence, j'ai vu qu'il n'y avait pas une trace de rouille dedans. Parce que c'est un réservoir en acier. Et quand j'ai vu ça, je dis, c'est vraiment l'élément principal, on va dire, du scout, quoi. Le plus compliqué, on va dire. Donc, j'ai dit, non, c'est bon. Pour ce qui est moteur, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, hein, donc niveau moteur, il n'y a pas de souci là-dessus, on va s'y pencher. Donc voilà, écoutez, si cette petite présentation vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour voir la suite un petit peu de ce petit scooter sympathique. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram, à Facebook et à me suivre, ça me ferait très plaisir. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Du coup, j'en profite pour me faire un petit coup de pub avant de vous quitter. Au niveau du cap, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Donc révision complète, intermédiaire, optimisation moteur, location moteur. Donc pour le moment, je suis plutôt basé sur le KZ, mais on va dire que pour la location, ça va être KZ. Après, révision, optimisation, tout ça, on peut très bien faire du Rotax Max. Là, on a un Rotax Max Evo. Je fais du X30. Voilà, j'ai aucune catégorie qui me rebute. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Journée coaching, journée entraînement, service course, location moteur à la journée, au week-end ou sur plusieurs jours. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé.